Alors, on est à l'entrée d'une porte où c'est marqué architecture religieuse. Alors ici on est dans l'historique de la Casbah. Donc c'est une pièce où on va nous présenter l'histoire de la Casbah quoi. Alors ici on est dans un escalier dans la tour et on va pouvoir monter voir un peu qu'est-ce qu'il y a en haut quoi. Alors ici, on est devant l'architecture des établissements publics.
Ça, c'est le souk de la laine, quoi. Ça, c'est un tableau avec des photos avec le Hammam al-Sultan. Avec des plans ici d'architecture, de bâtiments et des patios de Kerouan, quoi. Il y a aussi des borges, c'est-à-dire des espèces de remparts là, avec des petites tours là. Apparemment, il y en a beaucoup des borges. Alors ici, on est dans la maison de la ferronnerie. C'est la mosquée du Riba. C'est impressionnant, franchement. Au Derenkaf, quoi. C'est une transformation en citerne ici, la pièce en face de moi. Alors, c'est une poterne, porte dérobée, utilisée en cas de siège pour appeler du renfort ici, cette partie-là. En fait, c'est vraiment minuscule, quoi. La maison Dar al-Hafez, donc c'est une maison qui a été construite par le Hajj Mohamed al-Hafez 82-1965, et donc elle a été bombardée par durant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été donc construite selon le modèle architectural d'origine, quoi. Thank you.
Ça c'est la mosquée Sidi El Bari. Elle est toujours fermée? Non, elle ouvre à 2h moins 4. Ça c'est une mosquée en face de la porte d'entrée de la médina principale. Alaykoum salam. Thank you.
الكبير جامع الكبير Thank you.
بيني وبينك ربي أسهل واحد جاكم سهل أي من هذا المصروف On est au musée d'Arjalouli. Vas-y, répète. Donc, alors, la maison de Sfax. Caractérisée par cette galerie arquée. Ah, d'accord. C'est comme ça, en fait, le patio avec une galerie arquée. Et premier étage aussi Il y a quatre galeries pour le premier étage. Ah, il y a plusieurs étages, là, je vois. Non. C'est une petite galerie curierie, le rez-de-chaussée avec le premier étage. Ah, ok. Un autre caractéristique, monsieur, c'est les réserves d'eau. Attends. Où ça, les réserves d'eau? Voilà, un puits et des citernes. Ici? On a deux citernes récupérées de l'eau depuis lui. Ça, c'est de l'époque, ça? Où ils ont construit ça maintenant? Oui. C'est de l'époque, ça date de l'époque 17e siècle. 17e siècle, ils récupèrent déjà l'eau. Oui, parce que cette région reconnaît le manque de pluie au cours de l'année. Mmh. C'est pourquoi reconstruire des citernes pour récupérer l'eau de pluie et réutiliser pour boire. Cette citerne, elle est alimentée par la conduite d'eau? Oui. D'accord, elle n'est pas alimentée en dessous de la Médina par un système comme les Romains? Non. Il n'y a pas ça. Non. Ouais. Chaque maison a. Son petit puits d'eau avec la récolte d'eau. Avec le puits, l'eau de puits arrivée à la nappe phréatique, c'est un l'eau salée, réutilisée pour le nettoyage seulement. Juste pour le nettoyage? Oui, très salée. Très salée. Oui, c'est de l'eau de la mer. Tu as déjà goûté? Non. C'est l'histoire, Ça va. C'est quoi ça? C'est un salon? Voilà, c'est une pièce caractérisée par une réception, petite réception, un lit traditionnel. Avec l'homme et la femme ou juste l'homme? Pour les parents. Pour les parents. Avec une petite chambre pour les enfants. Ah. Ça c'est... Un lit traditionnel. On dort dedans, dans ce lit, en vogue à Sfax. C'est pas confortable, hein? Ouais, c'est confortable à l'époque. À cette époque, oui. Et ça, c'est les habits. À l'origine, c'est une petite chambre pour les enfants. Transformée en. Ah, pour une pièce d'exposition pour les. Pour les vêtements. Oui, traditionnels. Ah. C'est pas tellement beau, hein. J'ai vu. Ah oui. Ça, le plafond, il est beau. De l'époque, ça, ou. Oui. Ou c'est modifié comme les Chinois. Il est restauré. Restauré. C'est beau, hein? J'aimerais bien avoir une maison comme ça, moi. Je fais une belle piscine là. J'ai mis un translat, mon jus d'orange. Il ne manque plus que les belles femmes qui dansent en bikini. C'est le paradis pour moi. Ah, le mortier comme avant, ça? Oui, avec deux mains. Oui, je connais. Ma tante, elle fait tac, 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 tac. Et ça, c'est un plateau en cuivre. Ah, c'est beau, hein? Pour le thé, le café. Alors, cette pièce, c'est quoi ici? Il prépare la cuisine ou quoi? C'est pas la mortier, c'est pas la cuisine. Mais il est aménagé pour exposer les essentiels de la cuisine. C'est quoi ça, l'alambic? C'est pour faire la bière ou quoi? Non, pour la distillation de fleurs. Ah, distiller les fleurs comme ça, pour faire les parfums, là, les roses. Ici, le fleur, l'eau. Ici, on refroidit avec de l'eau froide. Et la distillation, goutte à goutte, vers la bouteille. Et l'eau de rose, utilisée pour parfumer le thé, le café, les pâtes délicieuses fabriquées à la maison. Mais bon, pour la santé, pour abaisser les fièvres.
Maintenant, c'est fini tout ça. Non, non. Maintenant, c'est avec du chimique maintenant. Non, avec, non, jusqu'à maintenant. Ça existe toujours, la chimique. Oui, oui. Alton, avec le, la saison de l'automne. Et tu mets, de printemps. Et tu mets du parfum, toi, alambic, sur toi, non? Non, non. Tu mets Chanel, hein? Non. Hein? À quoi dit Dieu? J'arrive pas à Chanel. T'arrives pas? C'est vrai? Oui. Il faut d'abord trouver le vrai, hein, parce que... Hein? Parce qu'ici, il y a beaucoup de faux. C'est ouvert, mais avant, fermé pour... C'est dommage. Il aurait dû laisser ouvert. Ça, c'est ta machine traditionnelle pour tourner le bois, pour fabriquer les détails, pour la décoration. Ah, ouais, 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 ouais. Ah, c'est beau, hein? Là-bas, c'est une fenêtre. C'est la première fois que je vois ça. À portée de l'Égypte. Ah, il vient d'Égypte. Ouais. Vieux mouche. C'est mouche arabais en bois mouche, d'olivier. Mouche arabie. Une belle pièce. Et tout ça, c'est d'origine, alors, oui. la cette colonne. Il y a des restaurations, comme vous voyez là-bas, ici. Mm. Ce sont des restaurations. Mm. Mais ça, c'est l'origine. Mm. Et ça, c'est quoi, alors, ça? Coffre pour le Coran. Jamais vu ça. C'est quoi, cette histoire de coffre? Oui, l'œuvre du Coran. Ça sert à quoi? Pour ranger les livres du Coran. Non, pour mettre le cadenas. Dans les mosquées, dans les salles de prière. Non, j'ai vu des armoires, moi, dans les mosquées. Ah, voilà, c'est... C'est beau, là, ça? Oui. Et ça, c'est quoi, ça? Pour mettre les photos? C'est une fenêtre encastrée. C'est une porte encastrée. Et ça, c'est le travail du bois, ça? Oui, oui. Il vient de la maison, ça, ou ça vient d'ailleurs? Ce sont les devants de vie traditionnelle, comme... Vous voyez, dans l'autre pièce. Mais ça, c'est quoi, ça? Une chambre? Non, non. Enfin, bunga bunga. Non, non, non. Coffre pour vêtements. Ah, de l'époque ancienne. Oui. Et ça, c'est quoi derrière? C'est une porte d'une chambre. Ah, faut pas voir la chambre, en fait. Oui. Voyons la porte. Ah, ouais, tu passes derrière. Oui. Il cache les chambres avant. Oui. Oh. Je mets les femmes partout. On peut monter en haut ou pas? Oui. Elle avec des petites chambres, un petit séjour. Ça, c'est quoi? Oui, un petit séjour. Un petit séjour, ça? Oui, pour dîner, pour boire le thé. Mmh. Là-bas, un lit traditionnel. Regarde le plafond, il est beau. Hein? Oui. Celui-là, il n'a pas été touché. Il n'a pas été touché. Il y a du métal, on dirait, en haut. Hein? Hein? Il n'y a pas du métal ou c'est du bois, ça, au milieu? C'est un lustre. Là, le plafond. Oui. Là, il met les fusils. Oui. Pour tuer les haloufs ou les moutons? Oui, ça pour la chasse. Oui. Ici, pour les cérémonies. Oui. Les fêtes des cérémonies. Oui. Ça pour les coups de l'armée. Pour le canon. Oui. Coffre. Ça se voit que ça vient de l'entreprise d'aujourd'hui. C'est pas... Oui. C'est pas... Ça, c'est la chambre, ça? Oui. Chambre de qui? Ami ou l'homme ou la femme? Pour les parents. Donc ça, c'est la pièce quoi? Des provisions. Ah oui, ils stockent les provisions. Oui. Les grandes quantités des épices, le couscous, l'huile, l'olive, voilà. Ok. C'est là qu'ils stockent la nourriture. La provision de l'année. Tout ça, c'est d'époque ou c'est... La collection de la musique, c'est, revient au 19e siècle. C'est vraiment belle. Elle est vraiment belle, hein? Bon, bon. Maintenant, les singes, ils achètent des villas avec du béton. Oui, des châteaux, des palais. Il ne connaît rien à la culture, hein. S'il avait une maison comme ça. Moi...
Elle est belle, hein? Ici, on a une machine traditionnelle. Ça s'appelle Carita. Pour la fabrication de boutons en fil de soie. Le bouton de jebba, de pantalon traditionnel. C'est une machine traditionnelle. On a le produit fini. Il y a plusieurs étapes pour arriver à fabriquer. Là, il n'y a rien. Ils n'ont rien trouvé. La collection est transformée pour cette étape. Belle, belle, belle. Ça, c'est quoi alors ça? Les bijoux. Les bijoux traditionnels de la mariage. Mariage. Oui. Il faut beaucoup de flouze, hein? Là, oui. Alors, j'ai ici de l'or. Ça, c'est de l'or, ça? Non, non. Du bronze, quoi. Des faux bijoux. Mais à l'origine, la mariée porte des bijoux en or. Ils sont riches, hein? Oui. C'est quoi? C'est les chaînes, ça? C'est un collier. Collier fabriqué par la pâte d'ambre. Pour manger la pâte d'ambre? Non. C'est... comment j'expliquais? Pâte d'ambre, Fait beau aujourd'hui. Alors ça c'est quoi? Des vestes? Non, c'est les châles. Ah, les châles? Oui. Je vois pas de foulard comme toi. Ils si portent pas le foulard. Non, je sais. À l'époque? Oui. Oui. Il n'y a pas de foulard. Il y a les safsaris. J'ai visité beaucoup de... Oui, safsaris pour le soleil. Ouais. Pas pour la vie de tous les jours. J'ai pas vu beaucoup... safsaris, j'ai vu quelques régions. Mais j'ai pas vu de foulard. L'époque n'existe aussi, pas. Aussi, il y a beaucoup le safsaris. Non. Oui, safsaris pour le soleil. Pour se protéger du soleil. Mais pas comme ça, comme toi, tous les jours. Ah oui. Il met pas... Ça, c'est un hijab. Ça, le hijab? Oui, c'est le hijab. Oui. Ils sont plus jolis que ceux d'aujourd'hui, hein, hijab. De Sfax? Oui, Duljam. Ça, Duljam. Ça, de... C'est une... Châle. Ce qu'on appelle... Immigrante à Sfax. À côté de Sfax. Ouais. Sur le Sef. Au Sahel. Il est très beau, le chat. Oui. Plus beau que les autres. Je vais le... Changer. C'est très beau. Calligraphie arabe. Calligraphie arabe. Utiliser la calligraphie arabe pour décorer les tableaux. Vous voyez, C'est beau, moi j'adore la calligraphie quand je vois aujourd'hui les artistes. C'est la peinture sous verre ici. Ah, sous verre? Oui, sous verre. Ah, ça c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Ah, moi je connais juste les artistes qui dessinent la calligraphie comme un tableau. Oui. Mais ça c'est sous verre. C'est une collection du 19e siècle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ici, c'est une histoire dans le Coran. Histoire de quoi? Dans les grandes lignes? Les sept dormants. Je connais, c'est une histoire dans notre Coran. Les sept dormants et le cave. On dirait un bateau, ça. Oui. Prend le nom pour les sept personnes dormant dans le cave. C'est une histoire coranique. Et ça, c'est quoi? Ça. Ouais. Non, celui-là. On dirait l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Il y a 12 chiffres. Oui, c'est le tampon de le roi Suleyman. Ici, à Sfax? Non, c'est un personnage turc, ottoman. Ça, le... Mais on dirait iranien, non? Non. C'est quoi ça? C'est le Burak. Ce qu'on appelle pour nous, c'est le jumeau ailé qui a transféré notre prophète Mohammed au 7e siècle. C'est aussi une autre histoire de notre Coran. Oui, ça? C'est la calligraphie. Qu'est-ce qu'il a écrit, là? Euh,
il est très difficile pour l'huissier, il faut un spécialiste. Un spécialiste. Il y a quelqu'un qui t'appelle, je crois. Oui, c'est mère. Un singe est arrivé. Oui. C'est terre. Oui. C'est ton chef ou quoi? C'est de l'administration. Ça va, Simer? Non, c'est si le lac. Non, ouais. Non. T'as internet sur ton téléphone? La tenue de travail pour le cheval. Bas du luxe. Ah, ouais. Hey.